apporte des gourdes à tous les festivaliers pour qu'ils puissent s'hydrater. Il y a des points d'eau un petit peu partout sur les festivals et l'objectif, c'est qu'ils ramènent leurs gourdes au niveau des collecteurs juste ici. Ils ont juste à scanner la petite étiquette QR code qu'il y a là et tenter de gagner une place pour l'année prochaine. Cette idée nous est venue de notre Action Tank pour un Paris de l'eau zéro déchet plastique. Donc on a contacté la consigne Gringo parce qu'on avait l'idée de faire un kiosque de consigne de gourdes parce qu'on sait que les Parisiens, en l'occurrence, sont suréquipés en gourdes mais ne pensent pas tout le temps à ramener leurs gourdes là où ils sont ou alors à la prendre dans la rue. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa d'en proposer en prêt ou à la location, à la consigne. Le temps de la durée du festival et qu'ensuite ils la ramènent. L'idée c'était de rendre simple l'expérience de consigne en festival. Nous aujourd'hui on a mis des bornes de collecte automatiques avec des trappes bleues, on a mis des petits messages assez sympas autour de l'eau. ODD, il y a PNL ou Paris je t'aime, il y a Angèle. L'idée c'est que de façon très simple, enfin autonome, le festivalier rende sa gourde et de façon complètement aléatoire, il pourrait gagner une place pour l'année prochaine au festival We Love Green. Dorothée, est-ce que tu peux nous dire les réactions les plus drôles ou sympas que vous avez eues en distribuant les gourdes ? J'ai l'impression quand même que l'idée en tout cas plaît beaucoup, les gens sont plutôt partants, donc il faut savoir que les gourdes, nous on va les remettre dans le circuit aussi via des dons qu'on fait chaque année aux associations qui viennent en aide aux personnes en situation de précarité dans la rue. Donc l'idée est quand même très bien perçue. On verra à la fin de la journée combien de gourdes on va récupérer. Vous allez ramener la gourde ? Bah oui, je pense, j'en ai déjà plein à la maison. C'est cool ? Ouais, c'est cool. Ça permet d'éviter le plastique. Le fait de nous empêcher de prendre des bouteilles en plastique, ça nous empêche de polluer le site de Willow Green, donc c'est très bien. Au début du festival, on se disait s'ils vendent des bouteilles en plastique alors que c'est un concept Willow Green, ce serait un peu contre-productif. Et du coup, j'aime bien. C'est très cool en vrai parce que moi j'avais une gourde que en verre et j'en ai pas d'autres. Et du coup, vu que j'ai vu qu'on n'avait pas le droit de gourde en verre, j'ai pas de gourde. C'est très bien, vu qu'on vient en plus de jeter nos bouteilles, on va passer à de l'écolo. Donc on remplira et voilà, super. Comme ça on achète du plastique. Arrêtez de jeter, réutilisez.